Chers les amis, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui... Ah, attendez, attendez, une question là-bas. Oui, une question. Oui. Je voulais savoir comment on fait pour bien commencer sur YouTube. D'accord, ok. Eh ben allons-y. Allez, place à l'intro. Donc, chers amis, j'espère que vous allez bien en tout cas. Oui, aujourd'hui, je vais parler de comment bien démarrer sur YouTube. Alors, si vous voyez que ça bouge, c'est normal. Hein. Tout est pas très stable. Ouais, tout est bancal, donc c'est pas pratique. Mais bon, on s'en fout. Alors, chers amis, tout d'abord, comment bien démarrer sur YouTube? Ouais, attendez. Oui. Oui, bon, je sais. J'ai que 38 abonnés. Ouais, je sais que je devrais pas faire d'idéo sur le sujet. Mais je crois que si on regarde en fait ma chaîne comparée à d'autres chaînes qui ont 10 000 abonnés, en fait ma chaîne est très très propre. Très franchement. Donc je veux pas dire qu'elle mérite plus, parce que je fais pas du contenu qui mériterait plus. Mais en tout cas, je fais ce qu'il faut pour aller plus haut. Et ma chaîne est déjà quand même assez propre, assez bien travaillée. Alors, la première chose en tout cas que moi personnellement je pourrais vous dire comme conseil que tous les youtubeurs en général vous donnent, c'est amusez-vous. Hein, très franchement, si vous vous amusez pas à faire des vidéos, hein, très clairement ça sert à rien. Je vais pas vous mentir que là, moi cette vidéo commence à me faire chier parce que ça fait 3 fois que je la tourne. Mais j'y vais et je m'amuse. Voilà, c'est le principal. Si vous vous amusez pas, autant faites comme moi. Regardez, j'ai tourné cette vidéo là la même journée où j'ai fait ma vidéo sur les nouveautés de la chaîne. Et vous pouvez voir que c'est pas du tout le même cadre parce que je tourne une semaine après. Voilà, une semaine et demie après. Donc ouais, au final, amusez-vous. Vous arrivez pas, vous revenez plus tard et vous recommencez. Voilà, ça fait partie des premiers conseils qu'on peut vous donner, c'est amusez-vous. Après, deuxième conseil, vous le suivez pas celle-ci, c'est comme vous voulez. Moi en tout cas, c'est celui que j'utilise et celui que j'ai utilisé. Et grâce à lui, bah j'en suis là et j'en suis... Enfin j'en suis là, je suis content, je fais des vidéos, je n'ai pas peur de parler devant une caméra. Et puis voilà, donc je reprends juste mon souffle avant une fois que la caméra est allumée, et j'y vais, je démarre, et il n'y a pas de problème. Alors, ce que je veux dire par là, c'est qu'en gros, du coup, moi, mon astuce que j'ai utilisée, c'est que j'ai créé une chaîne. Oui. Oui, oui, non, mais oui, j'ai créé une chaîne YouTube. Ouais, dit comme ça, c'est ridicule. En fait, c'est une chaîne test. Si vous voulez la voir, je vous mets pas du tout le lien en description. La première vidéo, elle est naze. J'ai peur de parler devant la caméra, je stresse à fond, et voilà. Bref, très clairement, c'était pas la meilleure chose que j'ai faite. Ma première vidéo était vraiment merdique. Hein. Ne vous attendez pas à faire une vidéo exceptionnelle, pardon, dès la première vidéo. Ça, c'est sûr, très clairement, ça n'arrivera jamais. Donc moi, je vous conseille de créer une chaîne test. C'est une chaîne où pendant 2-3 ans, vous allez faire les choses suivantes que je vais vous citer. Pour comme ça, vous améliorer et faire des vidéos de bonne qualité. Avoir une chaîne de bonne qualité, parce que j'ai oublié de le mettre, je vais en parler très vite, mais en gros, une chaîne YouTube ne s'arrête pas à je fais une vidéo, je la mets en ligne. Ouais, non, mais ça ne s'arrête pas qu'à là, que là. Pour ça que ça prend énormément de temps à faire une chaîne YouTube. Donc, du coup, je vais continuer. Donc, en fait, ce que vous allez utiliser, c'est pratiquement, en fait, en général, c'est du coup, vous allez tourner votre vidéo, vous allez mettre votre vidéo en ligne. Dit mettre une vidéo en ligne, dit aussi... Bah, connaître la plateforme. Si vous connaissez pas la plateforme, vous allez mettre votre vidéo en ligne, ça ne sert à rien. Très clairement. Donc, moi, je vous invite à, du coup, apprendre à utiliser la plateforme, à découvrir, à foncer dans les petits recoins du truc. Peut-être que vous découvrirez des trucs qui vous seront utiles plus tard, ou peut-être pas. Ouais, je fais des gestes avec mes mains alors que vous voyez pas mes mains. Je vois le retour, là, vite fait. Ça sert à rien. Mais du coup, voilà. Donc, en général, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est d'apprendre à utiliser la plateforme que vous avez utilisée. YouTube, Twitch, parce que ça marche aussi, cette vidéo marche aussi pour les streamers, bien évidemment. Après, quatrième conseil que je peux vous donner, c'est investir. Ouais, investissez dans votre chaîne. Parce que, ouais, faire une vidéo, c'est bien. Si vous n'avez pas un bon micro et que vous n'avez pas de la bonne lumière, la caméra ne marche pas. Ouais. Deuxièmement, si vous avez un téléphone de merde, mais que vous avez beaucoup de lumière, mais pas de son, ça sert à rien non plus. Si vous avez pas de son, enfin si vous avez un bon micro, une qualité de merde, une lumière de merde, et bah alors moi je vais vous dire en fait que ça suffit pour faire de bonnes vidéos. Oui, en fait le son est le plus important. En vidéo, le son est le plus important. Si vous avez un son dégueulasse, par exemple
Je peux pas vous le faire, mais en gros, si vous avez un effet téléphone quand on vous écoute, en général, on part très très vite. Le son est de mauvaise qualité et on le ressent. Donc, moi, je vous invite juste, simple et efficace, à acheter un bon micro. Le Behr UM1, par exemple, si vous faites des vidéos comme moi. Des panneaux LED. Simple, efficace. Les miens m'ont coûté 15 balles chacun avec le trépied. Donc, franchement, il n'y a pas besoin d'investir énormément. Ils sont pas contrôlables. Enfin, ils sont pas contrôlables avec une télécommande ou avec l'ordinateur. Mais ils me suffisent. J'ai pas besoin de plus. Ma caméra, c'est l'Osmo Pocket. C'est une caméra de téléphone. Donc, moi, je pourrais aussi vous conseiller très facilement d'utiliser votre téléphone. Moi, étant donné que je suis sur un bureau qui peut se déplacer, pas de haut en bas. Ouais, je sais, j'ai un bureau un peu particulier puisqu'il peut se déplacer d'en avant et en arrière, puisque je suis sur une mezzanine. L'avantage de ce bureau-là, c'est que du coup, il me faut des choses simples à bouger. Parce que si mon bureau tombe, bah tout tombe, en fait. Si je fixe tout sur le bureau, bah c'est le bureau qui va écraser tout. Ouais, donc au final, c'est quand même mieux d'avoir des trucs qui tombent plus facilement. Voilà. Donc, après avoir investi dans la caméra, dans le son et dans la lumière, investissez peut-être dans un décor. Faudrait que j'investisse dans le décor. On est d'accord, parce que là, le papier peint déchiré, des couettes pour cacher le cache-misère, une tablette qui tourne en arrière-plan qui est même pas la mienne, voilà, qui est celle de mon lycée. Ouais, mais ça marche, hein. Moi, je vous dis, ça marche. Hein. Ça marche. Ça suffit. Vous avez, ça fait de l'animation dans le décor. Vous voyez, donc ça marche au final. Donc voilà, au final, moi ce que j'ai juste à vous dire, c'est amusez-vous, créez une chaîne test, apprendre à utiliser une plateforme et investir. Principalement, investissez. Parce que en fait, moi, total, j'ai presque maintenant, en tout cas au bout de 4 ans, j'ai presque 1000, enfin plus de 1000 balles de matériel vidéo. Donc voilà. Donc moi je vous conseille d'investir. Et prendre votre temps. Parce que oui, je dis plus de 1000 balles, mais c'est en près de 4 ans. Ça fait pas beaucoup. Enfin, ça fait quand même beaucoup d'années et ça me fait pas beaucoup d'argent au niveau matériel. Après, bon, moi je vais aussi vous dire, investissez aussi dans des logiciels. Dit logiciel, dit apprendre à les utiliser. Si vous utilisez comme moi par exemple Filmora Pro, puisque j'utilise Filmora Pro pour monter mes vidéos, bah, j'ai appris à utiliser Filmora Pro. Enfin, je suis toujours en apprentissage, je découvre toujours de nouvelles choses. Dès que j'ai des petits problèmes, comment faire ça, Google? Voilà, ça marche très bien. N'ayez pas peur d'apprendre. Apprendre sur YouTube, c'est le plus important. Une fois que vous savez utiliser des logiciels, il faut aussi apprendre à utiliser un logiciel de photomontage. Oui, ça s'arrête pas à Photoshop. On dit photomontage, et encore, c'est pas le bon terme. Mais on appelle ça quand même photomontage, parce que ça marche bien. Hein, Photoshop. Donc voilà, donc moi ce que j'utilise par exemple, c'est paint.net. Pourquoi j'utilise paint.net et pas paint? Paint.net peut gérer la transparence et pas paint. Voilà, c'est petite chose. Voilà, donc moi j'arrive à faire des très belles choses avec. Comme mes overlays, comme mon logo, comme plein de trucs. Après, vous pouvez aussi, par exemple, si vous créez un logo, une bannière, il vous faut aussi une intro. Alors les intros, vous faites comme vous voulez. Soit vous utilisez par un site internet qui peut faire, par exemple, ces effets-là. Voilà, qui marchent très très bien, qui sont très jolis, qui sont très très propres. Ou alors, vous pouvez créer la vôtre, comme la mienne, par exemple, qui marche très très bien, que je vous passe toujours à côté de moi. Voilà, c'est les choses importantes, c'est ces vidéos-là sont très importantes au final. L'intro, c'est ce qui va donner l'identité de votre chaîne YouTube. Et si vous n'avez pas d'identité, bah, trouvez-la. Pendant que vous faites votre chaîne test, c'est le plus important, en fait, de créer une personnalité sur votre chaîne. Voilà. Une fois que vous avez fait, du coup, appris à utiliser vos logiciels, créer votre logo, bannière et tout ça, bah moi j'ai pas beaucoup de choses à vous dire en fait. Au final, c'est faites ce qu'il vous plaît. Si vous vous amusez pas sur YouTube, ça sert à rien, comme je disais au début de vidéo, et ça reste très important. Donc moi je vais juste vous dire, voilà, faites ce qu'il vous plaît. Si vous voulez faire du gaming, si vous voulez faire des tutos construction comme moi, ou des tutos YouTube par exemple, comme là ce que je fais actuellement, une vidéo setup qui arrivera prochainement. Si voilà, vous faites des choses comme ça reste important. En fait, dès que vous allez vous amuser en vidéo, vous allez le ressentir. Vous au montage et
les viewers vont le ressentir. Que ce soit par exemple si vous faites des lives et que vous vous amusez pendant votre live, que vous jouez, des personnes vont vous regarder. Et limite, en fait, vous en avez rien à foutre d'eux. De ces viewers là qui vous regardent jouer, mais ils vous regardent jouer. Si vous parlez pas, ils seront peut-être là ou pas. C'est selon. En fait, en général, les viewers, ils aiment bien avoir de l'interaction avec le streamer. Donc, bon, vous n'avez pas le choix, du coup, de discuter avec les viewers et du coup, de regarder le chat. Je regarde mon PC, hein, bien évidemment, sinon je peux pas me mettre dans la tête. Voilà. Après, bon, moi, je vais vous dire, on va commencer sur YouTube, c'est bien. Ça permet plein de choses, ça permet de se découvrir soi-même, ça permet de découvrir plein de choses, d'apprendre des logiciels qui vont certainement pas être utiles plus tard, mais c'est pas grave. Moi, en tant que tel, par exemple, j'ai une vidéo, tiens, la vidéo setup que j'aimerais réaliser. Ce genre de vidéo-là, c'est des vidéos qui demandent de l'investissement. Parce qu'il va falloir que j'achète mon ordinateur, et je vais, malheureusement, avec le nombre d'abonnés que j'ai pas les capacités ni les connaissances pour aller voir des marques et leur demander un partenariat pour qu'ils m'offrent des produits. La seule chose que je pourrais limite leur demander, c'est des bons d'achat. Ouais, enfin, gagner 10% sur ma commande, ça serait déjà pas mal en vrai. Parce qu'au final, je gagne sur 1200, je gagne à peu près 110 euros. Voilà. Donc ça, vous avez déjà le prix de l'ordinateur qui sera là-bas. Dans le coin. Donc voilà. Mais, en tout cas, dites-vous pas, une vidéo, c'est gratuit. En fait, la production d'une vidéo, c'est investir dans du matériel vidéo. Ce tarif-là, toutes les vidéos vont l'accumuler. Quand vous commencez une chaîne YouTube, vous n'aurez pas les sous nécessaires au début. Donc si vous y allez doucement, vous allez réussir à financer ces vidéos-là. Mais au début, les vidéos ne vont pas vous aider à financer. Voilà. Vos produits, en tout cas. Donc, une fois que vous avez, du coup, que vous allumez une caméra, que vous arrivez à parler directement devant, que vous savez utiliser un logiciel de montage, que vous avez créé un logo, une bannière, une identité, et bah créez définitivement votre nouvelle chaîne YouTube à 3 vidéos, par exemple. Pour moi, en tout cas. Puisque, du coup, la première chaîne, je l'utilise plus. Même le mail, en tant que tel, je l'utilise encore, c'est ma clé USB. Mon mail, c'est ma clé USB, c'est tout. Il n'y a plus rien dessus. Et pourtant, j'ai pas mal de mails, de comptes qui sont associés à ce mail. Et très clairement, maintenant que j'ai un compte, j'ai un mail pour mes jeux, j'ai un mail pour ma chaîne, j'ai un mail pour regarder des vidéos. Oui, je regarde aussi des vidéos. Voilà, ça reste beaucoup de boulot. À connaître les mots de passe et tout ça, surtout. C'est très, très galère. Une fois que vous êtes à l'aise, vous pouvez créer votre chaîne. Ça reste le plus important. Et du coup, à partir de là, en fait, j'ai plus besoin de vous aider. Si vous êtes prêt. Que vous vous amusez, que vous êtes fier de qui vous êtes et de ce que vous faites, qu'est-ce que vous faites là en fait? Allez sur Google, créez votre adresse mail, allez sur YouTube, créez votre chaîne. Et c'est parti! Moi je vous dis bonne aventure sur YouTube ou sur Twitch, comme vous le souhaitez, et à la prochaine! Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des questions en commentaire, n'hésitez pas à les poser. N'hésitez pas aussi à partager à tous ceux qui ont peut-être besoin de conseils pour commencer YouTube. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas le build, c'est bien. Bye bye tout le monde!